une petite histoire sur les papiers toilettes. Vous savez, les papiers toilettes sont longs et un certain métrage. Maintenant, dans les paquets, ils annoncent le métrage. Mais est-ce qu'il y a réellement le mètre? Quelqu'un, une fois, mesuré son papier toilette? Bof. Donc, il y a de la magouille. Un magouilleur de ce type qui était en Israël, qui vendait à la place de, je ne sais plus combien, c'est à 50 mètres, on va dire. Il vendait 40 mètres. Comme ça, des années, il y a une usine. Et un beau jour, il a fait tchouva. Alors le rab, il dit, je fais tchouva, voilà, mais je vends 40 mètres à la place de 50, ça va? Alors, ça ne va pas du tout, c'est du vol. Tu annonces 50, il faut qu'il y ait 50. Alors comment je repars? Ça fait maintenant des années que je vends comme ça, 40 mètres à la place de 50. C'est pas compliqué, tu vas maintenant, pardon? 60. Tu mets 60, exactement. Ah, il commençait à mettre 60 mètres pour rembourser, c'est comme ça. À chaque fois que quelqu'un a fait un vol du public, ou même un vol privé, mais il ne sait plus qui est la personne qui l'a volé, le moyen de réparer, c'est faire un don public. Comme ça, on espère que la personne qui a été volée sera remboursée. Là, c'est encore plus simple, vu qu'il a volé le public dans un certain pays, certains magasins, les gens ont l'habitude au même magasin acheter le même papier, donc il y a une forte chance que comme ça, il y en a partout. Après quelques années, tout à coup, émission de télévision. Ils ont fait une vérification à longueur des papiers de toilette. Il s'avère que tous magouillent, à part une firme qui, lui, non seulement il met 50 mètres, mais il met beaucoup plus. Enfin, il écrit 50 mètres sur son paquet, mais il y a 60 mètres dans ses... Alors, ils l'ont invité, ils l'ont interviewé, il y a une grande pub, et Baruch HaShem, il a décuplé ses bénéfices. Baruch HaShem, comme c'est bien de faire tchouva et d'être honnête. C'est l'histoire du jour.